Et salut à tous, c'est Tommy. Aujourd'hui, on se retrouve pour la suite de Grim Fandango. La dernière fois, on était un peu bloqué, mais j'ai eu 2-3 informations. Alors, il faut que je me mette de ce côté, mais il veut pas. Il y a toujours des petits freeze. On m'a fait remarquer qu'en fait, à chaque fois, Meche. Voilà, elle fait ça. Facile de conserver quelque chose de correct sur cette île. Voilà, donc comme ça on peut récupérer les balles, mais tu sais, pour l'instant je sais pas à quoi ça va nous servir, mais on va bien voir. Ça me convient très bien. Quoi ça? Oh, la vitesse à laquelle tu travailles. Merci Manny, mais comme tu n'es pas mon patron, je m'en fiche royalement. Bien, excellent, continue. Ce bitch please qui nous a mis. Moi, tout va bien. Hop, et j'ai oublié de mettre le chrono. Voilà, c'est bon. Donc pour l'instant, je ne sais pas exactement à quoi ça va nous servir, mais on va bien voir. Allez, allez. Et j'ai réfléchi aussi en regardant ma propre vidéo. J'ai remarqué qu'il y a un endroit où il dit qu'il n'a pas un assez grand levier, donc ça serait peut-être pas mal d'essayer avec la faux. Donc faudrait voir ça. Et surtout, la dernière fois, quand je cherchais tout seul, je suis allé reparler à Chepito. Et j'ai essayé de lui donner le mini-marteau. Et ça a marché. Donc on va le refaire. Enfin, le refaire. C'est qui? Quoi? J'ai encore une longue journée. Je ne vous retiens pas. Parce que ouais, du coup, j'avais pas enregistré exprès. Donc on n'avait pas de matché. La faux. Et ça. Yo, Peter, as-tu déjà vu un vrai piolet? Un piolet? Non, jamais. Mais ça me tenterait d'en essayer un. Hé, piolet, tu me bottes. Voilà, du coup, on a ça, je sais pas encore à quoi on va s'en servir. On va arrête de parler. Tout va bien. Je sais pas encore à quoi ça va nous servir, mais on verra bien. C'est déjà un petit truc en plus par rapport à ce qu'on avait avant. Et à vrai dire, pour tout vous dire, si j'ai trouvé, c'est parce que j'ai fouillé dans tous les sens et que j'ai essayé à peu près tous les objets avec tout le monde. Bon, ça va parce que j'ai que deux objets, donc c'était pas trop long. Donc voilà. J'avais pas enregistré parce que je voulais le faire avec vous. On va monter. Allez. Allez, Mali. Donc, je voudrais essayer de retourner dans la grue et voir retourner de l'autre côté parce que Mani dit qu'il n'a pas un assez long levier. Donc, ce serait peut-être pas mal d'essayer. Après, j'avoue que j'ai pas tout compris hein, parce qu'il parlait d'un bateau aussi et des choses comme ça, mais je vois pas. Je vois pas de bateau et. Allez, Mali! Je vois pas de bateau et il y a un truc pour lequel il disait qu'il avait pas un assez long levier, je crois que c'était ça. Mais je vois pas en quoi. Je n'ai pas de levier assez long. Ouais, voilà, je comprends pas. Du coup, on va essayer avec la faux. Faux qui a Je tendance peux à pas abîmer disparaître. ma lame. Ah, mince. J'espérais quelque chose, mais non. À chaque fois, il y a la petite animation, il range la faux. Je pense pas que le bas va nous servir à ça, mais bon, on verra. Je ne veux pas casser ça. D'accord. Bah, pour l'instant, je ne sais pas du tout à quoi il va nous servir ce truc. Je ne sais pas. On va continuer à fouiller. Je vais essayer les bas aussi, du coup, avec un peu tout le monde. Bon, je vais essayer de. Je vais éviter d'utiliser les bas avec Meche parce que. Elle risque de se vexer. Ah oui, du coup, je sais toujours pas à quoi ça sert de faire ça. C'est trop tôt. Ok, je peux quitter le truc en laissant la grue. Hop, on va ranger ça. Je peux laisser la benne de la grue en bas.
Du coup, on va aller voir. Ah bah non, elle est plus là. Ok, je comprends pas. Je suppose que c'est pas comme ça qu'on doit s'en servir, mais bon, je ne sais pas du tout. De toute façon, si vous avez des suggestions, vous pouvez m'en parler. Du coup, on va essayer le bas avec Chepito. Peut-être avec les enfants aussi, avec les Angelitos. Les Angelitos. Je les porte en permanence sur moi. Voici votre nouveau meilleur ami. Ah, mon premier Germinator. Il est chargé? Non. Hey, les balles sont précieuses. Sérieux? Il avait ça sur lui. Avec mon pote le piolet. Il est trop joli, avec une petite fleur dessus. Il a que des chansons de femmes, lui, en fait. Hein. C'est trop mignon. Bah, du coup, on a un Germinator, donc on va parler avec Mitché. En mode tout va bien. Je pensais pas qu'il avait vraiment sur lui, je pensais qu'il allait me filer un tuyau pour en avoir un ou quelque chose, mais voilà, voilà. Hop. Sandar est tellement chic qu'on y mangerait du caviar. Un vrai régal une fois qu'on s'est habitué à l'arrière-goût des cendres. C'est pas faux. On va essayer de lui montrer ça quand même pour voir. Je ferais mieux de me renseigner d'abord. D'accord. J'ai compris. Et du coup, le Germinator. Relation possible sans confiance. T'as raison. Une relation sans confiance est à peu près aussi vide qu'un revolver sans balles. Tu as oublié que les filles malines en conservent toujours sous leur chapeau. Au cas ah bah oui, logique. Elle avance. Mais tu ne sais pas quelle. Je sais exactement ce que je fais, alors avance. Écoute au moins quel est mon plan d'évasion. Tu as les fifi au paradis. Laisse-nous filer, Robinson, ou ton vendredi va déguster du plan. Ça me fend le cœur de te voir partir, Manny, mais... On dirait que ta souris ne rigole pas. Je n'hésiterai pas à tirer. Parfait. De toute façon, il ne travaille pas pour moi. Mais je croyais... Alors ce sera toi. Tu n'en feras rien. Tu as une âme pure, pas vrai? C'est faux. Je suis devenue mauvaise. Quand on enferme quelqu'un, il devient forcément mauvais. Je vais te briser comme un vase made in Taiwan, je vais... Chouette, cette môme. C'est un vrai volcan. Mais en général, une nuit au trou suffit à la calmer. Ok. Du coup, je comprends pas trop le but de la manœuvre. Domino. Hey Manny, où en est ton évasion? Qu'est-ce que tu as fait d'elle? J'ai juste pensé qu'elle avait besoin d'un peu de repos. Bon, je dois songer à préparer l'évasion. Bon courage, petit. Bah du coup on n'est pas plus avancé, hein. C'est juste que maintenant on n'a pas Mitché. Mais peut-être qu'on peut fouiller un peu pendant qu'elle est pas là du coup. C'est fermé. Ouais, je sais pas pourquoi à chaque fois il me fait aller sur la... Sur la... Sur la bibliothèque alors que je voudrais juste aller là. Et je peux pas m'asseoir, je peux pas regarder de trucs par là. Des livres d'enfants. Il y a toujours ces petits frises en plus, c'est un peu gênant. Ouais, du coup je vois pas trop ce qu'on peut faire ici. Et on a perdu. Je sais pas que ça vient. Ça doit être une serrure à combinaison, mais il n'y a pas de numéro. Ce pauvre dame n'a jamais été doué pour les chiffres. Mais il y avait pas ça avant, hein. Elle devrait s'ouvrir.
C'est solidement attaché. Je suis ici! Oh, je pourrais crocheter ça, si seulement je n'avais pas perdu ma carte de syndiqué au poker. elle appelle Pugsy. Je suis là. N'importe qui! Ouais, Bah arrête de crier alors. Je sais pas, on va voir Pugsy du coup, vu qu'elle l'appelait, peut-être qu'il connaît une solution pour la faire sortir. Comment vont mes braves petits soldats? T'es venu nous libérer? Oui, j'y compte bien. Nouveau plan, métier est bouclé pour de bon, on part sans elle. Quoi? On ne partira pas sans métier. Ah non, mais arrêtez de pleurer tout le temps. À chaque fois, il pleure. Sinon, on a un marteau burin. Faudrait peut-être aller parler à Glottis. Je suis ici. On sait jamais. Je ne veux pas trafiquer cette roue. Cette roue est mon ami. Domino, fais-moi sortir d'ici tout de suite. Il y a quelqu'un? Ah, puissant le machin. Un circuit important. On dirait que j'ai mis les boyaux à nu ici. Ah, c'est pas mal ça. Là, je vais complètement à tâtons, mais bon, on va bien voir. Non, je veux juste ranger. Ouais. Ouais, et plus on tourne, plus ça fait tourner tout en même temps. On va essayer de garder ouvert, histoire de le débloquer. Mais... ouais, il faut commencer par le haut du coup. Ouais. Ça devrait suffire. Ouais, comme ça, ça devrait être pas mal. Hop, ouais, bien. Ça va, c'est pas trop compliqué en fait. Je m'attendais à un truc super compliqué, un peu relou, mais non, ça va. Ça a l'air. Ouais, ça devrait être pas mal là. Quoi? Oh, et dire que je les avais si bien identifiés et tout ça. Ouais, c'est un peu ce que je me dis dans ma tête en fait, justement. Sinon, faudrait qu'on essaie de les bloquer une fois qu'ils sont tout en haut. Hop. Il fait pas du tout tourner la roue là. Mais c'est pas grave. Hop. Voilà. Les gorges sont toutes alignées, c'est exactement ce qu'il faut. Peut-être essayer avec la faux. Bouge pas. Ouais, nickel. Ouf, j'ai cru que ça avait cassé la faux, j'ai eu trop peur. C'est bon, Mitch, tu peux sortir maintenant. Mitch? Y a pas de Mitch en fait. Elle s'est enfuie. Ben dis donc, c'était des géants en ce temps-là. C'est surtout qu'il est tout petit en plus. Meche, tu es là-dedans? Sors de là, mon cœur. On n'a pas le temps de jouer à cache-cache. Petit texto, désolé. Pardon, j'ai moins affûté que la mienne. C'est pas grave. Ça a l'air un peu lourd. Et si on l'a fait tourner vite? Ouais.
Je sais pas trop ce qu'on va faire avec. Sa lame est moins affûtée que la mienne. Je suis pas sûr qu'on puisse la rentrer dans notre manteau, celle-là. Juste une petite pause et je reviens. À tout de suite. Voilà, c'est bon. Du coup, on va continuer à fouiller tout ce qu'on a dans J'aimais cette de rapports pièce. sur la récolte du corail. Je suis sûr que cette chambre forte renferme d'autres documents. Bah, va falloir fouiller du coup. Ils sont tous fermés. Ces bilans de récolte sont très vraisemblablement top secret. Ils sont tous fermés. Allez. Là aussi. J'aimais de rapports sur la récolte Là du aussi. corail. Ah, du coup, je suis encore bloqué. Mitch, tu es là-dedans? Sors de là, mon cœur. On n'a pas le temps de jouer à cache-cache. Quoique, jusqu'ici le marteau pilon a été assez utile, donc on peut peut-être C'est un réessayer. super pro. C'est un super pro. On peut peut-être essayer d'ouvrir avec ça. Ok. Super pro, tu parles. Ah, d'accord. Je suppose que ça n'a pas marché du coup, c'est ça? Super pro, tu parles. Le marteau pilon nous aura bien aidé, mais pas autant que ça. Du coup. C'est un contact métallique. Ouais. Non, l'électricité fait frémir la moelle de mes os. Non. Sa lame est moins affûtée que la mienne. Je vois vraiment pas ce qu'on pourrait faire avec. Ah, il y a un truc qui montre qu'on peut monter. Ou peut-être pas. Sa lame est moins affûtée que la mienne. J'avoue que je comprends pas grand-chose là. Ouais, le truc pour monter était disponible que quand on avait ça. Quand on avait la grosse hache. Là, comme ça, je sais pas trop. Du coup, on va essayer de parler à Pugsy quand même pour voir. Pugsy et Bibi. Comment vont mes braves petits soldats? T'es venu nous libérer? Oui, j'y compte bien. Attendez-moi ici et soyez des braves petits angelitos, d'accord? Ouais. Ok, on peut rien leur dire. Du coup, pour l'instant, je sais pas trop ce qu'on est censé faire. Après, la hache est très lourde, donc je suppose qu'il n'y a que Glottis qui pourrait la manier parce que il est costaud. Ah d'ailleurs, non, je me disais, il pourrait peut-être rentrer dans l'armure, mais non. Non, il va pas rentrer. Mais ouais, je pense que ça va être un truc comme ça, mais je me vois mal traîner la hache jusque tout en bas. Il faudrait voir. Parce qu'on a aussi d'autres trucs en bas, mais du coup, je vais réfléchir un peu de mon côté, je pense. Histoire de éventuellement trouver la solution. Voilà, en attendant, si vous avez des suggestions, des choses comme ça, n'hésitez pas, je suis à l'écoute. Et puis au pire, on essaiera un truc qui marche pas, hein, c'est pas grave. Enfin, voilà. Et du coup, c'est tout pour cette fois. Cet épisode vous a plu, comme d'habitude, je vous invite à laisser un petit pouce bleu, ça fait toujours plaisir. Hein, on n'a pas vu ça? Oh, Raoul, je suis vraiment navré. Oups. C'est encore pire. Non, l'électricité fait frémir la moelle de mes os. C'est encore pire, on s'est enfermé. Bon, mais il faudra trouver une solution pour sortir, je suppose. De toute façon, on n'est jamais bloqué dans ce jeu en principe, donc ça devrait le faire. Enfin bref. Du coup, je pense qu'on va utiliser la hache pour quelque chose, mais je sais pas encore quoi. Enfin voilà, bah du coup c'est tout pour cette fois et sur ce, portez-vous bien et à la prochaine. Salut!